Break me out. Come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Break me out from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end I'm realizing I was never meant to fight on my own. Eh bien salut tout le monde, c'est Mr. 1160. Aujourd'hui, on se retrouve sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing pour une nouvelle invocation. Voilà, une nouvelle invocation sur le nouveau Blazing Fest de Madara Rikudo et Domadala. Voilà, parce que ce perso est complètement badass. Voilà, on va pas se mentir. Voilà, et Domadala, regardez-moi cette carte, mon gars. Regardez-moi cette carte, elle est magnifique. Je devais invoquer sur Edo Madara. Il est stylé, elle est stylée, et je la veux. J'ai pas eu les personnages de 2 ans, donc tu vas me donner Edo Madara, mon gars, parce que ça va pas le faire. Voilà, tu vois, j'ai pas envie de me faire prendre une deuxième douille. Voilà, après, je tiens à parler pour tous ceux qui ont joué à Naruto Blazing pour les 2 ans. Ouais, je tiens un petit peu, c'est une petite aparté sur cette vidéo. Au niveau des 2 ans, c'est de la merde. Voilà, il y a eu de la merde, on avait que de la merde pour les 2 ans, malheureusement. Ils ont vraiment chié les 2 ans de Naruto Blazing Bandai Namco. Donc franchement c'est con pour eux, parce que les 2 ans auraient pu être génial. Elles auraient peut-être même pu dépasser les 3 ans de Dokkan Battle avec les 250 millions parce que là nous offrir le Tobirama était pas ouf. Puis les 0,33% de personnages, comment te dire, c'est vraiment de la douille. Alors qu'avant les personnages c'était à 1%, donc c'était quand même un peu plus droppable. Que maintenant c'est compliqué. Voilà, faut vraiment aller chercher le 9ème palier. Et encore les personnages des 2 ans n'ont pas de palier. Donc du coup c'était compliqué. Voilà, c'était une petite aparté. Donc on va revenir sur l'invocation. Je vais faire de multi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont partis de Naruto Blazing à cause de ça. Donc oui, moi aussi ça m'a saoulé. Moi aussi j'ai eu les nerfs envers Naruto Blazing par rapport aux 2 ans. Ils ont vraiment chié ce qu'ils auraient pas dû chier, les 2 ans. Ils ont chié, mais bon, il faut faire comme ça, il faut s'adapter aux choses. Peut-être que pour les 3 ans ils vont faire moins les cons, mais on aura peut-être un truc bien mieux plus tard. Voilà, faut essayer de se relativiser sur un jeu qui est très bon, qui est quand même très bon. Moi je le kiffe, hein, Naruto Blazing, hein. J'ai arrêté pendant un long moment, mais il m'avait manqué, donc du coup depuis je rejoue un tout petit peu de temps en temps parce que je le kiffe. Voilà, c'est un jeu que je kiffe. Voilà, donc c'est un petit peu mieux pour moi et je le kiffe vraiment. Voilà, sur ce, on va partir sur les invocations. Let's go. Donc, on va partir sur la première invocation. Let's go. Voilà, donc on a 9 paliers, bien évidemment, les retours des paliers. Hein, ça fait plaisir quand même pour le Edo Madara. Donc, vous pouvez l'avoir si vous voulez faire tous les paliers. C'est à peu près à 400 paires, je crois. N'hésitez pas. Allez, hop, Sasuke qui arrive. Voilà, est-ce qu'on pourrait avoir Edo Madara la première multi? Si j'ai Edo Madara, moi, première multi, je pack pour le Blazing Bash. Hein, t'as vu, voilà, parce que moi j'aime bien les Blazing Bash. D'accord, donc aucun gold, 0 pointé, t'as vu, voilà, on a 0 gold. C'est génial, voilà, on apprécie, merci Naruto Blazing. Donc voilà, je vais quand même vous montrer les paliers, pour ceux qui n'ont pas vu les paliers. Alors, on va quand même montrer les paliers. Je veux bien afficher les paliers parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc à la première multi vous en avez 40. Deuxième vous avez beaucoup plus de chances d'avoir Kabuto Senin, Kaguya et Gai 8 portes je crois. À la cinquième, à la troisième multi vous avez plus de chances d'avoir 3 fois plus de chances d'avoir Madara. Donc ça c'est pas mal. Bon, ils font en sorte de revenir sur ça, mais ils auraient dû faire ça bien plus tôt et ça aurait été mieux. À la 4ème multi, vous avez, ça se fait à 30 perles, donc ça va. 50 pour la 5ème multi, vous avez 6 fois plus de chances de dropper Madara. Ouais, donc c'est pas mal, mais sans plus. Honnêtement, franchement, ils auraient pu faire un effort. Après, pour les 6ème, la 6ème palier, vous avez un personnage garanti, Blazing Fest. Donc dans toute la liste que vous avez là. Voilà, c'est pas mal. Après, vous avez encore une multi pour le 7ème palier à 30. Après vous avez encore un personnage garanti. Et après vous avez le Madara bien évidemment garanti pour le 9ème palier. Voilà, nous on va juste faire le premier et le 2ème palier. Après si je drop quelques trucs à côté, je vous en parlerai sur Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre bien évidemment. Bref,
Les gars, c'est l'heure. C'est pas l'heure tout de suite parce que la multi ne veut pas se faire tout de suite. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on doit virer? On va virer ça déjà. Tac, tac. Tac, tac, tac. Air server bug un peu. J'aime quand air server bug. Voilà. Tac, tac. C'est pas mal. Allez. Du coup, on va faire la deuxième multi. C'est parti. Hop. C'est parti. Allez, on essaye de dropper du gold au moins. Sors-nous au moins une petite gold. Pour au moins avoir essayé d'avoir un nouveau perso. Un nouveau Blazing Fest. Voilà, que je n'ai pas. Oh putain, y a pas Sasuke. Là c'est chaud. Là, on a du mal. Allez. Te pète pas. Elle se pète pas. Sasuke arrive. Bim. Allez, Sasuke, tu nous amènes du gold. Tu nous amènes Edomadara. Si tu nous amènes Edomadara, je saute. Vous voyez le lit, là? Bah, vous le voyez. Oh, 3 gold. 3 gold, pas mal. On apprécie les gold. Là, 3 gold. La première, elle nous a bien carotté. Mais alors, la deuxième, elle nous fait plaisir. J'espère que ça ne soit pas des fakes, hein, parce que ça me ferait foutre un petit peu le seum. On va pas se mentir. Donc du coup, voilà. Bon, on espère choper du gold sympatoche. Hein, on espère vraiment choper du gold sympatoche. Donc c'est parti, allez. Allez. Nouveau perso. Ouah, le vieux Kakashi d'automne, je crois. Oh là là, je me chope tous les premiers persos. Lui, il pue la merde, mais bon, ça fait un perso à collectionner. Un nouveau perso à collectionner. C'est sympatoche, on va pas se mentir, mais je m'en bats un petit peu les couilles, quoi. Cordialement. Allez, deuxième gold. Oh, le Sarutobi me casse les couilles. Oh, la Uno, mais non, mais c'est quoi cette multi? Pas une nouveau personnage Blizzy Fest. Je suis dégoûté, les potes. Je suis dégoûté, j'ai mis 94 perles. 90 perles, bordel. Allez, on tente la single du désespoir. Bah, pas du désespoir tout de suite, hein. On va essayer de. Allez. Tac. Il m'en faut 5. Tac, tac. On va essayer de tenter la single du désespoir, les potes. Ah non, je crois que ça marche pas. Si c'est. Voilà, hop. Voilà. Allez, on va essayer de tenter la single du désespoir, les potos. Pour tenter d'avoir Edomadara. Allez. Allez, on veut de l'or. Allez. Ah, il n'y a pas de Sasuke. Déjà. Allez, deuxième porte. Continue, Naruto. Te pète pas. Elle s'est pété, sale bâtard. Voilà. Bon, Hinata. Bon, ça pue, hein. Ça pue du cul. Voilà. Putain. Bon, c'était pas oufissime. On n'a pas eu des trucs sympatoches, hein, on va pas se mentir. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à dropper quelques petits trucs. Voilà, si vous avez droppé le Edomadara, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, bien évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un gros mirai pouce bleu. C'est juste en dessous, c'est gratuit, c'est facile. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est tout là-bas, là, tout en bas à droite. N'hésitez pas à vous abonner également, c'est gratuit. Donc, voilà, faites-le. Ça mange pas de pain, donc voilà. Sur ce, bah j'espère que vous avez trouvé du lourd. Et restez sur Naruto Blazing pour tous ceux qui ont été dégoûtés des 2 ans. Même moi, hein, je suis dégoûté des 2 ans. J'avais envie d'arrêter, mais je me suis dit, voilà, je viens de reprendre. Le jeu, il est ouf, j'adore le jeu. Donc du coup, je ne vais pas arrêter le jeu pour autant. Donc du coup, voilà. Donc restez sur le jeu, c'est toujours mieux. Allez. Sur ce, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Pour le prochain live, et encore une fois, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.